temps fort du CESE, ça a été notre déplacement à Marseille, quand on a rencontré les jeunes et qu'on s'est vraiment rendu compte que le vote n'était pas essentiel et n'était pas logique selon eux. Un autre temps fort que je pourrais mentionner, ce serait vraiment l'arrivée au CESE. Dans la grande salle, l'accueil qu'on a eu. C'était vraiment très impressionnant, le nombre de choses à voir, de choses à apprendre. C'est une quantité impressionnante d'informations et c'est très enrichissant. J'en ai deux principales, la comptabilisation du vote blanc et le vote à 16 ans. Si on part d'un avant et d'un après, je suis arrivée au CESE, j'avais jamais voté de ma vie, j'ai que 19 ans et ça ne m'intéressait pas trop, je vous avoue. Mais maintenant, je pense que je suis prête à faire la part des choses, à vraiment m'engager à voter et m'engager dans la vie citoyenne, essayer d'approfondir et de chercher à faire bouger les choses.